Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de Questions sans détour. Violence, meurtre, violence avec armes, violence grave, ce sont des mots que nous employons au quotidien dans les médias, mais c'est surtout le quotidien des policiers sur le terrain. Pour en parler avec nous sur ce phénomène qui gangrène la Guadeloupe, nous recevons ce soir Patrice Abdallah du syndicat Unité SGP Police FO, secrétaire départemental de ce syndicat. Bonsoir et merci d'avoir accepté cette invitation. Bonsoir, les mots que j'ai employés, c'est vrai, on en parle et on a l'impression de plus en plus souvent dans les médias, tous les matins, dans l'actualité. C'est une réalité que vous tâtez sur le terrain. Malheureusement, c'est une triste réalité, comme vous le dites. Et nous, c'est sûr que nous avons comme mission de pouvoir endiguer ces fléaux. Mais malheureusement, on va en débattre, hein, malheureusement, les moyens n'y sont pas. Et c'est une situation qui était prévisible, parce que ce n'est pas d'aujourd'hui qu'on alerte les pouvoirs publics pour pouvoir leur demander des moyens. Et puis c'est vrai qu'on se répète, on est vraiment en plein dedans aujourd'hui, on est en plein dedans, et puis c'est pas évident pour nous qui sommes au cœur du fléau, de combattre ce fléau. Mais heureusement, nous sommes des fonctionnaires de police courageux et nous avons justement à cœur de préserver justement notre population avec les moyens que nous avons. Trouver des solutions à travers les moyens, on va y arriver sur la question des moyens parce que ça fait longtemps que vous en réclamez. Mais vous qui êtes sur le terrain, vous qui pratiquez cette délinquance qui attise la violence et qui se traduit par cette violence armée aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé sur les 10 dernières années? Qu'est-ce qui fait qu'on voit circuler de plus en plus d'armes à feu et des armes de gros calibre? Nous sommes montés d'un cran. Alors, pour le répéter, nous sommes une île. Nous sommes une île, nous avons une spécificité. Nous sommes dans un bassin caribéen où circulent les armes, la drogue et aussi nous avons l'immigration clandestine. Ce sont les éléments justement qui facilitent justement la montée de la délinquance et de la violence. Le plus simple, ce serait de mettre des points de contrôle aux abords des côtes, de nombreux points de contrôle justement aux abords des côtes pour endiguer ce fléau, mais aussi de mettre des fonctionnaires de police en conséquence, des forces de sécurité de manière plus générale, pour pouvoir contrôler de manière plus assidue, on va dire plus ferme, les automobilistes, les scooters pour récupérer ces armes. Ouais. Parce qu'on se rend compte que depuis quelques temps, chaque fois, chaque semaine, quand il y a des contrôles, systématiquement, on tombe sur des personnes armées. Et quand vous parlez d'armes, vous précisez que ce ne sont pas des armes, des simples petites armes de poing. Non, première catégorie. Ouais. Oui. Et quand je dis qu'on a alerté les pouvoirs publics, quels sont les moyens qui ont été mis à notre disposition? On a parlé de l'opération de déposer les armes. Ouais. Mais ce n'est pas l'honnête citoyen. L'honnête citoyen, c'est lui qui viendra déposer une arme qu'il aura en pièce de collection. Mais ce n'est pas le voyou, le bandit, le délinquant qui viendra le faire. Oui. Donc là aussi, il y a une vraie prise de conscience qui doit être faite par les pouvoirs publics et les politiques aussi. Ce n'est pas normal. Ce matin encore, on a entendu un meurtre ce matin. Mais quand ça se fait dans l'Hexagone, on entend tous les parlementaires de la région qui réagissent, qui montent au créneau. Oui. Mais nous, on a l'impression qu'il y a une certaine banalisation, oui, c'est ça. Une certaine démocratisation de ces faits de violence. Et ça, c'est pas normal. Ça veut dire qu'on parle beaucoup de résilience en ce moment. On se dit, ça fait partie de la vie et on passe dessus. Mais on ne peut pas parler de résilience quand il s'agit de sécurité. C'est comme pour la santé. On ne peut pas parler de résilience pour ces phénomènes. Et ce sont des choses qu'on avait tiré la sonnette d'alarme depuis très longtemps. On dit que nous avons des côtes poreuses, tout rentre en Guadeloupe. Ouais. Tout rentre, c'est une bataille. Il nous faut plus de moyens humains pour garder nos côtes, garder notre littoral, pour surveiller justement ces arrivées. Surveillance accrue des côtes. Et même au-delà des côtes, quand on est au sein du territoire, plus de policiers pour pouvoir effectuer des contrôles. Il y a beaucoup de types de violences différentes, des violences intrafamiliales, des violences qui peuvent arriver sur le réseau routier entre citoyens. Mais la violence que vous vivez est-elle en lien direct, selon vous, avec le trafic de stupéfiants en Guadeloupe? On le voit bien. Je veux dire que là où nous avons eu le meurtre de ce matin, ce n'est pas lié à une violence intrafamiliale. Je veux dire que on constate aussi qu'il y a une émergence, il y a une recrudescence de points de deal. Mmh. On remarque aussi qu'au niveau pour les étrangers en situation irrégulière, l'immigration clandestine, une recrudescence également. Ouais. Et là, sans parler des armes. Mais je veux dire qu'il faut une volonté de faire les choses. Et la volonté, elle n'y est pas.
parce que c'est identifié, le mal il est identifié, donc il faut juste mettre les moyens, parce que sans ça on n'y arrivera pas, et ça va continuer à se dégrader malheureusement. Il y a quelques années on parlait beaucoup de ce type de violence issue de l'immigration clandestine, en tout cas des faits de trafic de stupéfiants ou d'armes. Quand on regardait d'autres départements, comme la Guyane, est-ce qu'on s'est mis des œillères en Guadeloupe en se disant que ça ne nous arriverait pas, mais que c'est aujourd'hui le cas ? Est-ce qu'on peut parler d'œillères ou un problème de volonté politique, une volonté de l'État ? Parce qu'il y a quelques années, je ne vous cache pas, enfin tout le monde le sait, il y avait un rapport qui était sorti justement pour dénoncer, pour dire qu'il y avait ces problématiques. Ce rapport, il est sorti du chapeau, il n'a pas été officiellement diffusé, ça a même créé des difficultés, des problèmes. Mais ça veut dire qu'on, oui, enfin on peut parler de hier, mais il y a une volonté aussi peut-être de ne pas vouloir faire avancer les choses. Puisque ah, carrément. Dit, ah mais non, oui. Mais c'est fort ce que je dis. Oui. C'est fort ce que je dis, mais c'est identifié, le mal-être. Les problématiques sont identifiées. On sait d'où cela vient. On sait qu'est-ce qui se passe. On sait quelles sont les catégories d'armes, puisque nous, on fait remonter par télégramme toutes les difficultés que nous rencontrons. Ce n'est pas un secret. Ce n'est pas un secret. Donc, à côté de ça, il faut mettre les moyens. On sait qu'il faut des moyens, des policiers. Concrètement, le ministère de l'Intérieur connaît la situation de la Guadeloupe. Elle est connue. Oui. Je vous prends un exemple. En fin d'année dernière, pour bien illustrer mon propos, lorsqu'il y a eu les débordements, les violences urbaines, eh bien, il a fallu attendre trois jours qu'on nous envoie des renforts, ouais. Ce qui se passe nous par ailleurs dans l'Hexagone. Ouais. Il a fallu, donc, pendant ce temps-là, ben, la situation elle évolue dans le mauvais sens. Il y a beaucoup de faits qui étaient en marge des manifestations. En marge des manifestations. Et ce n'est pas contrôlé, ça ne peut pas être contrôlé puisqu'on n'est pas suffisamment nombreux. Et la solution, c'est d'envoyer du monde. Alors que si on avait le volume d'effectifs nécessaire, c'est une situation qui aurait pu être contrôlée dès le départ. Il y a beaucoup d'affaires qui sont de plus en plus correctionnalisées parce que pour être jugées plus vite. Ça fait gonfler les rangs également des prisons localement. Est-ce que c'est la solution ? Est-ce qu'il n'y a pas sur le terrain un sentiment d'impunité que ces personnes-là peuvent avoir finalement face au manque de moyens que vous leur avec lesquels vous faites face ? J'ai envie de dire que tous les acteurs de cette société devraient se mettre autour d'une table et de réfléchir à des solutions. La justice n'est pas en reste par rapport à ces décisions qui sont prises, les décisions de justice qui sont prises vis-à-vis de ces personnes qui portent des armes ou qui commettent ces faits. Il faut quand même qu'il y ait une vraie politique sécuritaire pour ce département. Et je me répète, on ne comprend pas que nos parlementaires ne puissent pas réagir face à ça. Pour vous, par exemple, allez, je prends un fait, 18 mois de prison pour détention d'armes et violences contre la police, c'est pas suffisant parce que le même type d'individu, on le retrouvera quelques temps après armé dans les rues. J'ai envie de vous dire, 18 mois ferme, ce serait une peine que, je veux dire, qu'il pourrait peut-être faire confiance, prendre conscience à ses auteurs. On n'est même pas à ces peines-là. Ouais. On n'est même pas à ce niveau-là. Donc, il faut vraiment qu'une politique pénale adaptée, il faut des mesures fortes. On va dire en termes de sécurisation, et la mesure forte, elle passe par nous, par les policiers, par les forces de sécurité, et qu'on puisse être sur le terrain et pour pouvoir endiguer, combattre ce fléau. Donc des moyens humains, des moyens matériels également. Certains de vos collègues, vous parliez de courage tout à l'heure de vos collègues, certains réfléchissent à deux fois avant de se lancer sur le terrain, ben, où c'est vraiment dans la mission. Aujourd'hui, il faut pas qu'on rentre dans ce qu'on appelle aujourd'hui, ce qui est un terme qui est à la mode, des missions silencieuses, ouais. Que le fonctionnaire de police vienne travailler parce qu'il sait qu'il a besoin pour subvenir à ses besoins. Donc il ne faut pas qu'on arrive à ça. Donc aujourd'hui, il reste encore ce courage, il reste ce professionnalisme, et c'est ce qui nous permet tant bien que mal d'essayer de juguler. Oui. Mais on voit bien que le résultat, il est là. Donc ça, le résultat est long, il est difficile, mais c'est ce que vous dites, il est là. Parce que quand on voit le nombre d'affaires qui sont menées jusqu'à terme, c'est qu'il y a un vrai travail qui est réalisé. Oui, il y a un travail de ne pas remettre en cause le travail des collègues, mais ils arrivent à une limite. Ouais. Ils arrivent à une limite, même avec le courage, on arrive à une limite. S'il n'y a pas ce qu'il faut derrière pour pouvoir faire les choses convenablement. Je prends les effectifs de BAC, ce sont des services qui devraient être renforcés. Les quartiers, quand on parlait d'effectifs justement, les quartiers, on va dire de la périphérie pointoise, qui sont clairement identifiés comme des quartiers à risque parce qu'ils ont des points de deal, parce qu'ils ont des faits de violence réguliers.
Est-ce qu'on peut avoir l'espoir un jour de voir assainir ces quartiers-là? Mais comme je dis, il n'y a pas de secret. Sera assaini quand sur les personnes qui commettent les méfaits seront dérangées par les forces de l'ordre. Mmh. C'est ça. Il n'y a pas de secret. Il faut qu'ils soient dérangés parce qu'on peut traiter sur une vacation, je veux dire une vacation, ben, il y a plusieurs affaires qui peuvent être traitées. Mais si sur une affaire, les effectifs de police sont engagés et que d'autres faits se passent en même temps, ben, on peut pas être partout. Et puis on est nombreux. Plus on sera à même de juguler cette violence et justement de régler ce problème d'armes et de ce trafic de stupéfiants. Pour terminer, vous avez beaucoup interpellé les autorités, en tout cas sur le manque de moyens, les moyens nécessaires pour endiguer cette gangrène, on va dire, chez nous en Guadeloupe. Est-ce que vous avez envie également de lancer un message à la population, aux citoyens guadeloupéens? Mais moi, ce que je peux dire à la population, hein, c'est pas à elle de s'engager dans cette lutte. Hein. C'est sûr qu'il faut être vigilant, il faut avoir un regard sur son voisin, et dans l'éducation aussi. Dans l'éducation, ça c'est important, l'éducation au niveau par rapport aux enfants, parce qu'on se rend compte que depuis l'école, il y a déjà des débordements. Donc c'est vraiment un fléau qui est général. On va dire ce problème, il y a un problème d'autorité, il y a différents facteurs qui entraînent cette situation. Mais là, aujourd'hui, c'est vraiment, hein, je le dis avec fermeté, c'est vraiment un engagement fort de l'État et des politiques, des parlementaires de chez nous qui sont élus aussi pour ça. Il faut mettre en place une politique sécuritaire dans ce département et prendre en considération ses spécificités. En tout cas, l'appel est lancé. Merci à vous, Patrice Abdallah, d'être intervenu en direct dans Questions sans détour ce soir. Vous l'avez compris, vous aussi, un citoyen interpellé, mais en tout cas, le message est lancé au gouvernement, aux parlementaires, à la sphère politique également, ici, localement. Il est temps que cette violence puisse diminuer chez nous. En tout cas, on vous souhaite une bonne soirée avec la suite de nos programmes.